Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Ironic, le titre d'Alanis Morissette. Un tuto qui sera en deux parties. Deux parties, on va dire, un niveau intermédiaire, un niveau confirmé, qui vont surtout se différencier par la rythmique utilisée et aussi par, pour le niveau confirmé, le travail du picking qu'on retrouve sur le premier couplet de ce titre. Alors, comme d'habitude, on va d'abord voir ce qui va être commun aux deux niveaux, de toute façon, la structure du titre. Rien de très difficile, une intro de 4 mesures qui se terminera par le petit plan caractéristique du titre. Ensuite, un couplet qui va durer en tout 10 mesures, en fait une boucle de 2 mesures qui va être jouée 5 fois. Le refrain, pareil, une boucle de 2 mesures qui, elle, va être jouée 3 fois. Pour finir par deux mesures, Fa, Do et un Ré. À l'issue de ce refrain, un retour au signe pour retourner au début du couplet, ce qui nous fera faire un couplet 2. Ensuite, on enchaîne un refrain 2. Et on retrouve le pont qui reprend en fait hein, les accords du début du morceau. Là aussi, une tourne sur deux mesures, jouée 3 fois et on finira par un accord de Do 7 majeur et le petit riff de fin. À l'issue de ça, on enchaîne un couplet 3 qui comprendra, on le verra pour chaque niveau, une toute petite subtilité avec une mesure à deux temps qui viendra s'insérer. À l'issue de ce couplet 3, un refrain 3 et le morceau va se terminer par l'outro du morceau sur 8 mesures. Qui seront 8 mesures qui équivaudront au pont qu'on a fait précédemment. Voilà, c'est tout pour la structure. Le niveau intermédiaire, alors, on va débuter par les accords qu'on va utiliser, qui seront pas forcément très très durs, mais un peu spécifiques, peut-être par rapport à ce que certains d'entre vous ont l'habitude de faire. Un Do 7 majeur. D'habitude, un Do 7 majeur, on pose les trois... Enfin, on part du Do, on enlève ce doigt, et ça sonne comme ça. Dans le titre, on va avoir une spécificité, ce Do 7 majeur. En fait, on va rajouter le petit doigt sur la corde la plus aiguë. Troisième case, et ça va me donner ça. D'accord ? Voilà, on entend là vraiment la couleur un peu caractéristique finalement de cette intro. Et ce qui va se passer, c'est que pour jouer le deuxième accord, le Ré que j'ai annoté Ré 6-4, histoire de, on va dire, de trouver une harmonie, en fait, on va tout simplement prendre ce Do 7 majeur qu'on va avancer jusqu'à la cinquième case. Et à partir de là, on va retrouver ça. D'accord ? Y compris avec les cordes à vide. D'accord ? Où j'ai pas de doigt. Ce qui va nous faire une alternance entre mon Do 7 majeur et mon Ré. Voilà. Donc, il faut bien les faire sonner parce que sont vraiment caractéristiques. Voilà, ces deux accords. Donc ça, c'est les accords qu'on va retrouver sur l'intro. Je parle pas de la petite variation qu'on verra après. Après, on va démarrer avec un Ré que j'ai marqué Ré, basse, Fa dièse. Donc le Ré normal et le pouce va venir assourdir ma basse Fa dièse. Mais là, j'aurais pu la noter Ré 2 tel que je le joue. Pourquoi ? Parce que je ne vais jamais, dans les couplets, tout au moins, je ne vais jamais utiliser ce majeur. Je vais le laisser libre, comme ça. Et mon accord va sonner comme ça. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais pu la noter Ré 2, basse Fa dièse. D'accord ? Puisque j'ajoute une seconde. Voilà, ce Ré 2. Et ce doigt-là, il va bien être utile. Parce que quand je vais vouloir faire mon Sol 2, à chaque fois, et bien tout simplement, de ma basse Fa dièse, je vais me servir de ce doigt-là pour aller faire un Sol. Et du coup, voilà. Mon Sol, que j'ai marqué Sol 2, mais qui va comporter une 6 aussi, donc bon, peu importe, on va l'appeler Sol 2, en libérant la corde aiguë. Voilà. Donc, je vais avoir ça. Donc, on va retrouver ça dans les couplets et les refrains. Sur les refrains, on aura aussi besoin d'un Fa.
voilà, d'un Do majeur. Et un peu comme on a fait pour le Do 7 majeur où on avançait ici, en fait, mon Do, à la fin des refrains, je vais l'avancer 5e case pour un accord que j'ai noté Ré 4 2. Voilà. Bon, ça pour la petite histoire. Voilà, donc si je récapitule, je vais avoir besoin du Do 7 majeur avec mon 4e doigt, le Ré 6 4. Quand je vais commencer les couplets, donc ce Ré joué comme ça, mon Sol comme ça. D'accord. Et après le Mi mineur 7, tel que je vais l'avoir dans le morceau, je ne vais pas le jouer comme on joue d'habitude, je vais juste utiliser un doigt. Voilà, pour le faire sonner comme ça. Au moins, celui-là, il sera tranquille. Et après, sur les refrains, bah, ce sera beaucoup plus commun, puisqu'on va se retrouver avec un Ré normal, un Sol que soit vous jouez comme ça, soit vous jouez comme ça, pour ceux qui ont l'habitude de le faire. D'accord. 1, 2 et 3, 4 dans la case. La troisième case. Voilà. Ré, Sol, Ré et à nouveau Mi mineur. Pour se terminer, comme je vous l'ai dit, par un Fa, un Do et un Ré 4 2 en faisant ici. Voilà pour les accords et ça, ça concernera les deux niveaux. Alors, pour le niveau intermédiaire, on va voir ce qui va être la rythmique, comme ça, principale qu'on va utiliser dessus, qui reprend, on va dire, une simplification, plus ou moins, de la rythmique du morceau. Sachant que la rythmique du morceau est un peu spéciale, parce qu'en fait, quand on écoute bien, il y a deux guitares, suivant les moments, qui jouent et qui remplissent en faisant pas exactement la même chose. Donc là, j'ai essayé de trouver une version, comme ça, qui permette d'accéder au morceau le plus facilement possible. Je vais prendre l'exemple sur le Do 7 majeur, tel que je vous l'ai montré hein, tout à l'heure, en rajoutant mon Sol aigu. Et là, on va avoir une rythmique en double croche. Toujours pareil. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous la jouer d'abord quasiment au tempo. Et après, je vais ralentir et vous expliquer comment elle fonctionne. 1, 2, 3, 4. Donc si je décortique cette rythmique, le premier temps, je joue par rapport à un débit de double croche. Hein, la première et la quatrième double croche pour faire après un blocage avec la paume de la main sur le demi-soupir qu'on a sur le début du deuxième temps. Ce qui va donner ça. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas de difficulté. Ensuite, bien remarquer tout de même que pour bien jouer régulièrement la 1 et la 4, je garde tel que c'est marqué et je me les décompte dans la tête et je les symbolise avec la main. Le retour du 2, le 3 dans le vide. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hyper important, ne pas laisser la main en bas et faire ça. Sinon, ce ne sera pas vraiment régulier. Vraiment compensé. 1, 2, 3, 4. Ensuite, sur le deuxième temps, je vais rattaquer sur un E vers le bas, suivi d'un appui dans le vide sur le 1 du troisième temps. Ça va donner ça. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 et 1. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 et 1. Sur le troisième temps, je continue, je vais avoir une petite note telle qu'elle est marquée, un E qui sera joué vers le bas, mais que je vais jouer vraiment pas fort, et qui va me permettre de m'appuyer sur la première note du quatrième temps, que je vais jouer aussi vers le bas, et en mettant légère accent. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 1, et 1. D'accord, donc ce E du troisième temps, voilà, je le
joue juste tranquille sur le grave. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 1, et 1. Et là, il ne me reste plus qu'à jouer les deux dernières doubles croches, deux dernières notes de la mesure, qui vont être la troisième et quatrième double croche, en ayant pris soin, toujours pareil, hein, si je joue mon quatrième temps, 1, 2, 3, 4. Toujours ce 1, 2, 3, 4. Et 3, 4, je le joue tranquille. Il me servira aussi à faire des changements d'accords. Donc ces notes, elles sont plus suggérées. Toujours pareil. 2, 3, 4. Là, j'ai joué un sol. 1, 2, 3, 4. Je joue la mesure complète maintenant. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Alors ensuite, une fois que ça c'est acquis, arrive ce petit gimmick qu'on retrouve dans le morceau, qui est souvent joué juste avec un doigt. Là, on ne va pas avoir le temps, si on fait la rythmique avec le médiator, finalement, ça va être difficile de prendre le médiator, bim bim, d'enchaîner avec les doigts. Donc, on va faire une solution où, en fait, on va partir de ce, avec mon quatrième doigt ici, de cet accord, le Do7 majeur. Je vais remplacer mon quatrième doigt par deuxième case, l'index. D'accord, la descente. Je reviens ici et ça demande, vous voyez, de pivoter un peu la main. Parce que je pars avec le quatrième, le deuxième. Et là, je vais amener le deuxième à nouveau, mais sur la deuxième corde. Et la dernière note jouée sera la corde à vide. La troisième. Donc, l'enchaînement de notes à cet endroit-là. D'accord, à avoir bien propre. Et la difficulté va être de le placer dans une rythmique qui ferait ça. 3, 4. Vous entendez par rapport à mon clic. 3, 4. Alors, si j'accélère. Donc, sur l'intro et sur les ponts, en fait, on va avoir, sur l'intro, sera juste Do, Ré, Do, le gimmick. Sur les ponts, on va avoir Do, Ré, joué, en fait, trois fois, un Do, et le gimmick. Donc, je fais ça pas trop vite, d'accord, comme si c'était le pont sur 8 mesures. 1, 2, 3, 4. Vous noterez que sur le Do, avant le gimmick, hein, je ne fais pas de dernière double croche parce que je ne vais pas avoir vraiment le temps de bien installer après propre le gimmick. Donc je fais une noire sur le quatrième temps. Et 4. Ok. Ça marche. Donc l'intro, c'est comme les ponts. Le couplet 1, donc on va le faire avec cette position-là, un Ré, basse fa dièse. Ici,
en ré basse fa dièse, surtout mon pouce qui joue le fa dièse, d'accord? Et comme si je jouais un ré en enlevant ce doigt-là. La rythmique va être relativement simple. Là, pour reprendre ce qui est joué en picking, on va faire juste un rythme comme ça. En fait, en alternant du ré basse fa dièse, après je vais aller poser mon doigt ici, ça va me faire mon sol 2. Et je vais alterner en comptant comme ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, mon mi mineur. 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, donc ce couplet 1, pas de difficulté, juste bien faire ce pleinement. Les 4 accords, bon, mi mineur 7, il ne pose pas de problème, les 3, puisque en fait, ré, le sol et le mi mineur 7. Ensuite, sur le refrain, ben, ça va être presque un peu plus simple. On va garder la même rythmique encore et on va faire des accords complets. C'est-à-dire que le ré, je vais le jouer, j'assourdis, je ne fais pas ma basse fa dièse là. Je l'assourdis seulement, je joue mon ré normal. Mon sol, soit comme ça, soit comme ça. Et c'est vrai que dans ce morceau, il sonne bien de cette façon-là. Pour autant, la seule note qui va changer, c'est ce ré, d'accord? Avec mes troisième et quatrième doigts. Donc, ré, sol. Et je boucle le niveau, ré. Mi mineur joué complètement 1, 2. Avec la rythmique, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4. Donc toujours mon changement sur le P du Do. Sur la fin du refrain, je vais avoir le même rythmique toujours, mais avec une mesure où je vais passer du Fa au Do. 3, 4. Pour enchaîner ça. Cet accord qui sonne un peu bizarre. D'accord. Que j'ai noté donc Ré 4, 2. Et en fait, c'est mon Do que je transpose. Voilà, à la cinquième case. Je refais ces deux mesures. 3, 4. À noter que j'assourdis ma corde de basse pour jouer cet accord-là. Sur le couplet, je vais utiliser donc maintenant comme accord le Ré, basse, fa dièse, mon accord et mon sol 2. C'est tout simplement donc l'application de... Ici, ma basse sol. A noter que le sol va intervenir donc sur le E du deuxième temps, de cette façon-là. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 3, 4, 1. Ça, pour la première mesure. La deuxième mesure, on a à nouveau le Ré et un Mi mineur 7 qu'on va jouer comme ça. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'à chaque fois, le changement d'accord va se situer en même temps, au même moment, sur le E du deuxième temps. Je vous fais donc Ré, Ré, basse fa dièse, sol, Ré, basse fa dièse, Mi mineur 7, lentement. 3, 4. Si j'accélère un peu ça, 1, 2, 3, 4. Donc on a vu l'intro, on a vu le couplet 1,
Le refrain, on a vu le couplet 2, hein, donc avec la différence de rythmique sur le couplet 2. Sur le pont, ben, ce sera la même chose, hein, comme on a travaillé l'intro. Et on va prendre la dernière petite subtilité sur le couplet 3, où en fait, sur ce couplet, qui au départ, alors on va dire comme un couplet normal avec les accords Ré, basse, fa dièse, Sol 2. Ce qui va se passer dessus, c'est qu'on va avoir normalement sur une boucle qui devrait faire 10 mesures. En fait, on va avoir 6 mesures tout à fait normales où je boucle. Ça, deuxième fois. Troisième fois. Et la quatrième fois, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, pour repartir. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Pas besoin de vous embêter avec la lecture en tant que telle. En comptant un 1 après mon mi mineur, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, tout simplement, ici, il y a une petite subtilité. Le Ré ne s'est placé que sur une mesure à 2 temps et le mi mineur 7 va être sur une mesure à 4 temps avec une tenue, en fait, la ronde. 1, 2, et après ça redémarre. Fin du couplet, on va avoir encore la boucle de deux mesures jouées deux fois. Et après ça partira sur un refrain. Voilà, donc on a fait le tour des différents éléments de structure du titre. Je vous mets à disposition donc une séquence qui va partir de l'intro, couplet 1. Refrain 1, couplet 2, refrain 2, et qui va aller jusqu'à la fin du premier pont. Voilà, ce qui vous fera quand même une bonne partie du morceau, comme ça pour vous entraîner à passer toute la rythmique. Alors pour le niveau confirmé, la problématique va surtout se poser par rapport à la rythmique qu'on va utiliser, qui va essayer de reprendre un peu un mix des deux rythmiques qu'on a dans le titre, qui se complètent, et par l'utilisation, par le fait pour ceux que ça intéresse de mettre en place le picking qu'on a sur le premier couplet de ce morceau. Donc un petit rappel vite fait, les accords qu'on va utiliser,
hein, que ce soit sur le pont, Do 7 majeur, comme ça, le Ré 6-4, nouveau le Do 7 majeur. Après donc, le Ré, qui sera un Ré de basse fa dièse, sur le couplet on verra, d'accord. On gardera ce doigt là et on amènera ici pour faire un Sol, à nouveau le Ré et le Mi mineur 7 qui sera joué comme ça. Sur les refrains, je vais jouer les accords en entier. Le Ré, le Sol, le Ré, le Mi mineur. Ré, Sol, Ré, Mi mineur. Ré, Sol, Ré, Mi mineur. Pour terminer par un Fa, le Do. Et en glissant mon Do, cinquième case, et en assourdissant ma corde grave, voilà, cet accord-là que j'ai annoté Ré, 4, 2. Voilà pour ce qui est des accords qu'on va retrouver à chaque fois dans le morceau. Donc maintenant, on va voir la mise en place de la rythmique, un peu plus complexe donc que sur le niveau intermédiaire. Je vous joue ça. 1, 2, 3, 4. Cette rythmique, on décortique ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Premier temps, croche pointée, double croche. On joue la quatrième et première double croche en n'oubliant pas de faire le remplissage dans le vide sur la 2 et sur la 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, suivi d'un blocage sur le 1 derrière. Donc, 1, 2, 3, 4. À l'issue de ce blocage, qui est sur ma première double croche, je vais faire mon retour, 2, light, 3. Et je vais décompter comme ça, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Je refais, donc sur ce 1, c'est là où j'arrive sur le 1 du troisième temps, qui est symbolisé dans le vide. 3, 4. Sur le troisième temps, après avoir joué dans le vide, je vais refaire comme sur le deuxième temps, ma deuxième et troisième double croche, 2, 3. Et ça m'amènera à ma première double croche après du quatrième temps. Donc je pars du 1 et je m'arrête sur la première quatrième double croche du quatrième temps. 3, 4. Une fois que j'ai joué ma première double croche du quatrième temps, je vais faire tranquillement 1, 2, 3, 4. Attention, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4. Et non pas du 1, 2, 3, 4. Ça va sonner moyen. Donc, je joue maintenant la mesure complète très lentement. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Quatre.
avoir cette rythmique, donc à travailler lentement pour monter ça progressivement sans que ça ne sonne trop dur. Donc ça a fonctionné, on est d'accord autant sur l'intro que sur le pont. Et ce que je vous propose sur le gimmick, c'est au lieu de le jouer comme on l'a fait en intermédiaire avec le médiator, de faire une version doigt médiator. C'est-à-dire que par rapport aux notes qui sont jouées, le but ce sera de rester dans la position de Do 7 majeur, où généralement ces notes-là. Et là, je vais, avec mon médiator, jouer cette note-là, tout en jouant ici, celle-ci, et je vais donc me retrouver avec le pouce et mon majeur qui va jouer la note aiguë. D'accord? Et à l'issue de ça, je vais remplacer mon quatrième doigt par le deuxième. D'accord? Voilà. Et en troisième note, je vais aller jouer troisième case, deuxième corde, avec mon quatrième doigt. Donc, d'accord. Et la quatrième note, ce sera tout simplement ma troisième corde à vide. Donc, les quatre notes utilisées. D'accord, je peux enlever le doigt. Et le rythme va donner ça. 3, 4 et... Alors, le but, si on peut, pour bien faire sonner, c'est de laisser les notes plus ou moins sonner, le do grave et tout ça, au fur et à mesure qu'on joue les autres. 3, 4 et... Je refais ça en laissant bien sonner. Voilà, si on arrive à bien faire sonner, ça fait un truc assez harmonieux. Le petit truc, comment je fais pour enchaîner directement du médiator au doigt, sur mon dernier accord de do, avant d'enchaîner le gimmick, je joue pas les quatre doubles croches. En fait, je m'arrête sur une noire sur le quatrième temps pour faire ça. Et... D'accord, parce qu'on n'aura pas le temps de faire ta 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 plume, ça va faire ta 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 poutre. Voilà, donc si je refais 3, 4. Voilà, donc ça concerne à chaque fois l'intro, les ponts ou la fin. Le couplet 1, donc je vous mets la tablature et on va y aller doucement. C'est le morceau, la partie un peu touchy pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de façon de jouer. Pour autant, c'est assez sympa à faire lorsqu'on veut y passer un peu de temps. Alors on va tout décortiquer, mesure par mesure, les doigts utilisés, les notes main gauche. On démarre avec sur le ré basse fa dièse. En fait, avec mon pouce ici, je joue l'accord de grave et mon fa dièse. Je vais utiliser deux doigts, ici, index et majeur, pour jouer ma quatrième case et la troisième, et je vais mettre mon index ici. Donc les trois notes en même temps, ça va donner ça. Si je pince en même temps. Ensuite, je vais aller jouer ma basse avec le majeur. Je vais garder mon index ici sur la deuxième case. Et par contre, mes deux doigts qui ont joué troisième et quatrième case vont venir jouer la troisième et la seconde. Donc, troisième case ici avec le pouce, mon index troisième, mon majeur seconde. Les trois notes en même temps. Et l'enchaînement de ces deux positions. Donc, comme ça, que je dise pas de bêtises. Donc, et ensuite, au niveau rythmique, je vais le décompter comme ça. 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4. D'accord? 1, 2 et 3, 4. On va retrouver ce placement rythmique dans pas mal de mesures. Sur la deuxième mesure, j'ai à nouveau mon fa dièse, toujours,
mon deuxième doigt et je vais mettre mon troisième doigt ici. Je vais rajouter donc avoir ces notes pouce, index et majeur. Les trois notes suivantes, je reviens à ma corde grave et là j'aurai trois cordes à vide. Sixième, quatrième, troisième. Jouer ensemble. Donc sur cette mesure là, je vais avoir et donc le placement rythmique 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4. Je refais 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. J'enchaîne donc les deux mesures. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Et encore 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4. Sur la troisième mesure, ben en fait, c'est l'équivalent de la première. 1, 2 et 3, 4. Même chose au niveau des doigts. Quatrième mesure, les mêmes notes. Mon pouce, la corde à vide, deuxième doigt. Mais je vais préparer ici mon troisième doigt. Parce que, en fait, je vais me servir là aussi. Je vais jouer mes deux notes avec mon index, mon majeur. Et garder, en fait, puisque je vais avoir ces trois notes. Et je vais jouer la note qui est marquée troisième case avec mon annulaire, comme ça, d'accord. Donc j'ai mes 3, 4 notes, et au niveau rythmique, je vais le compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord, 1, 2, 3, 4, 1, et là, en fait, tout simplement, sur le E, j'ai mes 4 notes à vide, pouce, index, majeur, annulaire, donc cette mesure-là, 3, 4, et... Je refais 3 et 4 et un stabado. Je vous refais maintenant donc l'enchaînement des 4 mesures. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 1, 3, 4. Bien sentir ce stop. On va retrouver ce même rythme sur la cinquième mesure. Mais là, je vais rajouter dès le premier temps, donc on ne change pas pouce, index, majeur, mon troisième doigt, pour faire en fait une variation entre ça et rejouer avec mon majeur. La note que j'ai sous l'index, d'accord, et avec un enchaînement après où je vais retrouver ma basse, troisième doigt, corde à vide, deuxième doigt, corde à vide, d'accord. Donc sans le rythme, si j'enchaîne les notes, d'accord, le rythme 3 4 et 1 2 3. Toujours ce rythme, croche pointé, double, demi-soupir et croche, tac, quand, quand, 3, 4 et 1. Je fais bien sonner mon ré si possible. La mesure suivante, ben là, pas de difficulté. Pouce, index, je parle de ma main droite, hein. Pouce, index, et que je dise pas de bêtises. Donc, pouce, majeur et annulaire pour faire mon, voilà, les trois notes et mes quatre notes à vide. 1, 2 et 3, 4. Sur la sixième mesure, on retrouve, sur la septième, désolé, on retrouve la même position que sur la cinquième avec mes quatre notes, pouce, index, majeur et annulaire. Une deuxième note qui sera jouée avec l'index, hein, celle-ci, donc. Et là, je vais mettre ma basse et je garde
deuxième et troisième case, d'accord, plus ma corde à vide, donc, d'accord, avec le rythme, ça va me donner, donc, et la mesure suivante, la huitième, encore ce rythme, tac, quand, quand, et mais avec les notes, je garde encore la même position, mais ce coup-ci, pouce, corde à vide, d'accord, deuxième, d'accord, vous voyez, la troisième, c'est celle qui va sonner, tac, tout, quand, d'accord, voilà, là je suis sur le mi, ok, le mi sera assez tranquille hein, dans ce morceau. Je joue donc ces 4 mesures, 4, 5, 6, 7, je dis une bêtise, 5, 6, 7, 8, 3, 4 et 1, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 3, 4 et 1, 3, 4. La fin. Septième mesure, donc on va partir encore sur une même position, mon pouce, le fa dièse, corde à vide, deuxième case, et mon 3 qui est prêt ici, pour arriver ici, et je vais rajouter à la fin, et 4, et, alors pas comme ça, avec mon troisième doigt, donc cette corde là, la deuxième, et je reviens sur la quatrième, quatrième, seconde, et quatrième, la corde à vide. Et 4 et. En venant donc de l'enchaînement, même chose, 3 et 4 et. Et sur ma dernière mesure, j'ai à nouveau le même plan de départ, toy dip, pour faire la dernière. Toy dip, toy. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, top, stop, 3, 4 et 1, top, stop, 3, 4 et 1, 2 et 4 et 1, stop. 4 et 3, 4 et 2, et 4 et 1, 2 et 1, 2, 4. Sur le refrain, donc là bah, c'est presque la partie la plus tranquille, on a cette rythmique de base avec des accords complets, le ré, le sol que je vais jouer comme ça, ré, sol, et les 8 mesures se terminent par un fa, et pas un fa dièse, par un fa, un do, et ce fameux ré 4-2 qui est mon do que j'ai monté. Cinquième case. Donc je joue lentement comme ça le refrain. 3, 4. Donc vous avez noté le changement d'accord à chaque fois. Sur le deuxième temps, la troisième ou double croche, hein, l'équivalent d'une croche du deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc
1, 2, 3, 4, 1. Ce qui fait que j'ai mon blocage, mon 2 en montant light, pour mettre à chaque fois mon changement d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc quand je remonte après mon blocage, je remonte vraiment tranquille. 3, 4, 1, 2, 3. Je vais finir avec mon Fa, pareil, mon Ré. Voilà pour le refrain à chaque fois. Ensuite, je vais arriver à mon couplet 2. Et sur le couplet 2, on n'a plus de picking. On garde les positions Ré basse Fa dièse Sol, Ré basse Fa dièse Mi mineur 7. Et avec cette rythmique-là. Et les mêmes changements. Inutile de préciser sur les « et » du deuxième temps. 1, 2, 3, 4. Petite dernière précision, donc après le pont donc, qu'on a déjà vu sur le couplet 3, je vais avoir une petite subtilité à la 7e et 8e mesure en fait, entre le Ré et le Mi mineur 7. Je vous joue ça, écoutez bien, je vous joue une mesure Ré Sol et après Ré Mi mineur, écoutez bien ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4. Un, deux, trois, quatre. Et je repars. Donc, à cet endroit-là, en fait, il y a une petite mesure à deux temps qui vient se glisser dans le morceau. Normalement, on est d'accord, on a des mesures à quatre temps, chaque accord étant sur deux temps. Eh bien, en fait, là, on va avoir une tenue sur un Mi mineur 7. Et j'ai donc choisi de considérer que la mesure de Ré, en fait, la mesure à deux temps, c'est le Ré. Et après, quand on va jouer le Mi mineur 7, on va revenir sur une mesure à 4 temps avec une tenue en ronde. Donc je refais ce passage en venant, toujours pareil, de la mesure qui précède ce petit changement. 3, 4, 1. Et la rythmique repartira, en fait, pour 4 mesures avant d'atteindre le refrain. Et ça redémarre pour le refrain. Voilà, on a fait le tour pour Ironic pour ce morceau. J'espère avoir rien oublié. J'espère surtout, comme toujours, que ce tuto et ces tutos en général vous sont utiles. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à le noter en mettant des pouces. Pourquoi pas en vous abonnant. C'est toujours sympa. Et en tout cas, je vous salue. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt et portez-vous bien.